Pourquoi tu pleures? Il est monté, mais il n'arrive plus à descendre. Oh, le pauvre, il a trop peur. Ne t'inquiète pas. Viens, on va descendre. C'est fini, tu ne risques plus rien. Oui, je sais. Ne sois pas inquiète, il dit qu'il ne fera plus jamais ça. C'est gentil. Maman! Maman! Et elle a sauté sur les branches de l'arbre. J'espère que tu lui as dit merci. Oh, mais je ne rêve pas. Mais c'est bien elle. Sandra! C'est toi, Sandra? Maya? Je me suis tellement inquiétée pour toi quand Furio a attaqué et que je ne t'ai pas vu t'échapper. Tout le monde dans le village était pris de panique et tentait de s'enfuir. Je me suis cachée entre deux troncs d'arbres quand il s'est mis à transformer tout le monde en pierre. Et je me suis enfuie et tout à coup... une sorte de passage s'est ouvert brusquement droit devant moi. Moi aussi, j'ai eu la même chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé après ça, mais je me suis retrouvée ici sans rien comprendre. Je suis si contente de te revoir. Suis-moi, tu vas aimer mes meilleurs amis. Oh, pardon, mes meilleurs amis ici sur Terre Aventure. D'accord, je viens. Allez, raconte-moi tout de toi depuis qu'on ne s'est pas vus. Kendrix! Tu ne voudras pas le croire. Voici Sandra. Oh, bonjour. Enchantée. Sandra, ton amie d'enfance? Oui, de Mirinoï. Oh, je suis vraiment ravie de vous connaître. C'est gentil. Je l'emmène faire le grand tour. On doit fêter ça en beauté. Oh, pourquoi vous ne viendriez pas dîner avec nous ce soir? Oh, non, ne vous donnez pas ce mal. Non, non, j'insiste. À 7 heures. D'accord. Viens, on a tellement à voir. Sandra? De Mirinoï? Exactement. Je veux leur préparer un dîner qui va les marquer. Un plat qui se fait sur Mirinoï. Sur Mirinoï? Essayons. Est-ce que tu te souviens de la fois où on pensait arriver à retirer les sabres? Ces 5 sabres de Khazar qui sont là sont plantés dans ces rochers depuis 3000 ans déjà. Mais un jour viendront les hommes qui auront le courage et la force de les arracher aux rochers. Hé, hey, Sandra! Quoi? Elle a bougé? Oh oui. On avait des crampes dans les mains, tellement on serrait.
Voilà, j'espère au moins qu'elles seront à l'heure. Elles ne sont toujours pas là? Elles ne vont plus tarder, normalement. Elles se font prier. Je voudrais repartir à Mérinoï tout de suite. S'il n'y avait pas eu Scorpius et Trakina, on y serait encore. Je ne sais pas comment. Mais un beau jour, j'espère bien y retourner. Hé, on ne va pas se laisser dépérir parce qu'elles sont toutes les deux en retard. Ça m'a coupé l'appétit. Il est très tard. Oui. Et demain, je dois me lever tôt. Oui, on te laisse. Bonsoir. Bonsoir. Bonne nuit, Kendrix. C'était affreux. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'étais si facile, pas, je riais tellement. On a quand même beaucoup de bons souvenirs. Oui, parce qu'on s'adorait. Kendrix, tu es encore debout? Oui, j'ai du mal à aller dormir. Oh, je te laisse, moi, Mac, je dormirai par terre. Oh non, je dormirai par terre. Ça, pas question. Écoute, on n'a qu'à dormir toutes les deux par terre. J'ai eu très peur. Alors, tu as su trouver les Power Rangers? Je savais que tu y arriverais. Rapporte le vieux grimoire. C'est pratiquement fait. Ces Power Rangers vont payer ce qu'ils ont fait à mon père. Et voilà, encore gagné. D'accord, d'accord. C'est l'heure de faire ma ronde. Je me dépêche et je reviens te battre. D'accord, je prépare le jeu. Tu pourras pas en gagner une. Bob? 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 Qu'est-ce que tu fais? J'ai rien vu, mais quelqu'un m'a frappé. Et puis, je l'ai entendu qui se dirigeait de ce côté. Ah.
geste. J'ai fouillé partout. Peu après minuit, quand j'ai aperçu un monstre plus gros que moi avec une carapace dorée qui était là, en train d'essayer de voler le grimoire. J'ai tiré et je l'ai touché au mollet. Et après ? Kendrix ! Où est Sandra ? Elle est partie faire un tour. Pourquoi ? Quand tu dormais cette nuit, je l'ai vue sortir de chez nous. Et alors ? Et alors, on m'a appris à l'instant que justement hier soir à minuit, quelqu'un a voulu voler le grimoire. Le garde dit qu'il a atteint le voleur au mollet. Et Sandra boitait en revenant plus tard. Tu crois qu'elle a essayé de voler le grimoire ? Oui, si jamais elle travaille pour Trakina. Sandra est mon amie d'enfance. Elle ne pourrait pas faire cette chose-là. Notre amitié te rend jalouse et tu ne l'aimes pas. Maya ! Maya ? Sandra ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Écoute, on en reparlera plus tard. Cherchez partout ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Il paraît qu'on a volé le grimoire. Sandra ! Qu'est-ce que tu emportes dans ce sac ? Oh, attends un peu. Je suis bien ta meilleure amie et tu as confiance en moi. Je n'en sais trop rien, mais la Sandra que je connais ne vole pas. Alors laisse-moi partir. Je ne te laisserai pas faire. Tu crois être de taille contre moi ? Désolé, mais je dois te laisser, mon ami d'enfance. Je t'ordonne de laisser ce grimoire. Pouvoir galactique. C'est bon, je l'ai. Ah!
Je ne supporte pas qu'on se fasse passer pour ma meilleure amie. Ah, c'est vrai. Ah, et moi je supporte pas qu'on me vole ce que j'ai déjà volé. Ça suffit, Rickon. Ça va aller? Oui. Tu vois, j'avais raison. Elle travaille pour Trakina. Oui, mais ce n'est pas Sandra. À nous, les lumières d'Orion! Puissance maximale! Vous croyez me faire peur? Galaxy Megazord! Je vais te pulvériser! On manque d'énergie! Sabre Galaxy Megazord, puissance maximale. Écoutez, j'ai été aveuglée par notre amitié. J'ai eu tort. Non, je crois que j'aurais fait pareil. J'espère que... je retournerai sur Myrinoï un jour. Et j'espère pouvoir surtout y ramener la vie. Oui, et moi j'espère bien être présentée à la vraie Sandra. Et je suis sûre qu'elle te plaira.